comment on sent le matin quand il fait un si beau temps? Bah, ça réveille tout de suite, c'est ça qui est pratique. Même si on n'a pas beaucoup dormi, on est. T'as dormi combien de temps? 6 heures, mais on a eu une grosse journée. Mais avec le froid, on est réveillé. Donc on peut repartir. Et là, t'es motivé? Ouais, ouais, ça va. Pas mal. Jusqu'à quand, on verra. Alors, malgré le temps, Loïc, tu es motivé? Un bloc. Moi, je suis debout depuis 4 heures du mat, je suis chaud, pas fatigué. On est là, jusqu'à 1000 mètres, on va. Là, c'est 6 fois de suite. Avant que le vent se lève, que du bonheur. On est venu ici pour là, pour ça. Hein, donc maintenant, on exécute notre mission avec un enthousiasme sans limite. Regarde, Sergueï est à bloc et... Non, on n'est pas venu là pour rigoler. Hein, c'est pas venu là pour trier des lentilles. Lodi, toi aussi, t'es motivé? Ah, plus que jamais. On a vraiment tout fait pour avoir cette station longue, alors on y va jusqu'au bout. Oui. Malgré les courbatures, puis on a la petite chanson dans la tête. Du courage. Vincent, peux-tu m'expliquer les conditions de la station d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 20 nœuds de vent de sud-est. On est dans une dépression, on est en bordure. Donc le vent a été... Il y avait 20 nœuds hier, ça a monté un peu dans la nuit. Et puis ça va encore monter dans l'après-midi. Donc là, on fait une station, il faudrait qu'on la fasse assez rapidement pour qu'on puisse partir avant que le vent soit trop fort. Donc au niveau de la dérive, il y a une dérive de combien? Alors du coup là avec ces 25 nœuds de vent, on dérive à 2 nœuds 2 actuellement. Mais là actuellement on a mis une ancre flottante pour réduire la dérive. Et il y a déjà la CTD en haut. Donc tout à l'heure quand on n'avait pas la CTD, on était à 2 nœuds 6. Et avant de mettre l'ancre flottante, on était pas loin de 3 nœuds de dérive.